Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, je suis dans un grenier et c'est pas pour rien. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est parti. Alors, il faut savoir que dans la famille, on est très curieux. Alors oui, on se retrouve dans la cuisine, la magie de la vidéo, c'est incroyable. Il faut savoir que dans la famille, on est très curieux et que mon père aime faire des déménagements de maison. Du coup, il se trouve qu'il a été appelé... Ouh là, la lumière. Alors, il se trouve qu'il a été appelé pour débarrasser une maison encore pleine, totalement. Donc là, du coup, on se retrouve dans la cuisine, qui est encore pas mal, on va pas se mentir. Là, derrière, c'est la salle de bain. Donc évidemment, ici, on retrouve le petit garage avec une petite cour, un coin terrasse, enfin, tu sais pas trop ce que c'est. Avec une petite allée qui mène, à mon avis, en enfer, par là. On sait pas trop. Alors là, ici, on se retrouve dans la salle à manger, salon, avec un canapé qui est juste magnifique. Une vraie dinguerie. Hey, c'est encore moi, juste pour vous expliquer que je n'ai plus le morceau de vidéo qui montre que je trouve le fusil au-dessus de l'armoire. Voilà, en soi, c'est pas gênant. C'est reparti. Il faut savoir que le modèle Tarzan a été conçu comme beaucoup de ses frères, principalement pour la chasse. Pour le recharger, c'est pas compliqué. Il suffit de tirer la petite goupille ici, la maintenir, tirer le canon, recharger, remettre le canon et la goupille va se mettre elle-même. Voilà. C'est pas compliqué, c'est comme à la foire, c'est comme à la fête foraine. Il y a juste à tirer des ballons, tout simplement. Mais c'est hallucinant, tomber sur une maison encore pleine, trouver un fusil, trouver des bijoux en diamant, en or, c'est une dinguerie, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je peux vous dire, je suis épaté par cette maison. Il y a encore des secrets à découvrir, j'en suis certain. Vous voyez, à l'instant, regardez, on monte sur le lit et regardez ce qu'on retrouve. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, là. Donc, je suis descendu. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un M79 8 mm. Et je peux vous dire que celui-là, il est encore bien conservé. Il est magnifique. Et encore avec ses cartouches. Magnifique. Donc voilà, on est de retour dans ce fameux grenier. Voilà, on a découvert deux armes. C'est incroyable. Enfin, moi, je suis tout fou, là. Un M79 qui provient des États-Unis. Ce n'est pas un M79, excusez-moi, c'est un P6-79. Il provient de l'Est de l'Allemagne. Et on a découvert un modèle Tarzan calibre 12, qui est plutôt pas mal. J'ai retrouvé des munitions aussi, et ça me tente très bien de les essayer. Pas mal quand même. Et du coup, bah, en vrai, je fouine un petit peu, mais cette maison... C'est pas une maison ordinaire, moi je vous dis, il y a eu des trucs de ouf ici. Une petite torture, des trucs de ouf, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose et ils ont eu besoin de se défendre. C'est étrange, c'est chelou. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez lâché votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Sur ce, c'était Malcolm, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.